Eh bien, salut à tous ses amis, c'est The King, Ragnar Lodbrok. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, sur du Battlefield. Battlefield 1, les amis, bien sûr, je précise, hein. Tu es en haut? Tout va bien? On t'attend pour couper le gâteau. Waouh! Elles sont incroyables! Oui. C'était une époque incroyable. Cet uniforme t'allait vraiment bien. Ce n'est pas moi, c'est Matteo. Oh, bien sûr. Désolé, papa. Prends tout le temps que tu veux. Non, non, c'est bon, tesoro. Il est temps que je te raconte ce qui s'est passé. C'était lors de notre dernier combat ensemble, à peine quelques jours après notre 21e anniversaire. Le bataillon de mon frère avait reçu l'ordre de capturer un fort enfoncé dans le territoire ennemi. Je ne suis pas parti avec lui. Je faisais partie d'une... Notre objectif était de soutenir le bataillon de Matteo. Nous étions une unité très fière. Nous changions le cours de la guerre pour l'Italie. Les Arditi. Alla vittoria! O tutti accoppati! Eh bien, re les amis, alors... Quelques vidéos, ils font une bonne vidéo sur du Battlefield. Battlefield 1 se prend plusieurs parties, je pense, en plusieurs fois. Pendant que Matteo se frayait un chemin, j'ai dû gravir la montagne en éliminant tout ce qui pouvait menacer son unité. Tu viens juste de commencer ton histoire et j'ai déjà peur pour toi. Mais non, je portais une armure. En plus, les Arditi étaient de fiers engagés volontaires. On était prêts à donner notre vie pour l'Italie. Une église se trouvait sur notre route. Les troupes ennemies l'avaient fortifiée. Impossible de passer sans les affronter. Allez hop, c'est parti. Alors les gars là, ils arrêtent pas. Attendez-vous un peu merde, attendez-vous. Alors voilà les amis, hein. C'est pas de bouffer. Après le passage des lance-flammes, il ne restait plus que quelques fantassins. Les derniers à éliminer avant de reprendre l'église. Thank you.
Ok. Il y avait une pièce d'artillerie qui pilonnait l'unité de Matteo. Il fallait que je la détruise. Il se dirigeait toujours vers le fort. Oui. Je devais faire tout mon possible pour qu'il l'atteigne. Allez, go les amis. Bon, alors, c'est beaucoup ici. Je note. Comme bien. Nous avons quoi? Ça, m'en fous. Ça, au moins, c'est fait, les amis. Maintenant, au moins. Matteo et l'ensemble de l'offensive italienne étaient en danger à cause de cette pièce d'artillerie. Je devais absolument la neutraliser. Vous allez rester mort, les gars. Ah, c'est bon. Il arrive, mais il arrive, ça fait mal. Une seule solution pour assurer la sécurité de mes hommes, faire sauter le canon. Oh,
À mes yeux, cette explosion fut l'un des plus beaux spectacles de cette guerre. Mais il n'y avait pas un instant à perdre. Je voyais un canon anti-aérien sur la crête suivante qui abattait nos avions. Et c'était voilà, la amis. Prochaine cible. Bon, c'est fait. Maintenant, on va aller voir l'artillerie d'avion, tu vois. Des soldats austro-hongrois étaient postés au canon. Si je voulais pouvoir l'utiliser, il fallait d'abord que j'élimine ces servants de canon. Bon, merci. J'élimine le dernier homme. Et j'entends alors un bruit que je n'oublierai jamais. Il visait l'unité de Mathéo sous ma position. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers. Et il fallait que je les abatte tous. Aucun renfort. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement. Et j'aurais perdu Mathéo. En voyant les premiers avions tomber, les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Mathéo. Je ne pouvais pas lâcher prise. Vous allez crever, bande de coulés. Allez crever. Sous ton armure ? Bien sûr, bien sûr. Rien ne pouvait la briser. Et alors, les avions ont fait demi-tour.